Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue sur TV La Caille. Nous comptons avec vous, nous comptons rejoindre nous là. Donc pour nous continuer à informer, pour nous continuer à porter toute grande actualité pour vous sur le pays d'Haïti. Plus précisément, nous avons beaucoup de patte dans la rivière Massacre. Mesdames et messieurs, qui journée aujourd'hui à la pays Saint-Domingue mette Croix Rouge ou bien mette Pinga sous la rivière Massacre pour Haïti. Et bien, ta manière rivière Massacre. Et selon ça, eh bien, ministre agriculture après le faire nous connaître, après le bon nous tout détail sous question ça. Pour qui raison, je ne dis à la Saint-Domingue, eh bien, qui dit même foué men dans la rivière Massacre et qui interdit pour Haïti lui-même, eh bien, tamete et touche pas le tout dans la question et donc et pompe. Saint-Domingue mette dans la rivière ça et qui dit Haïti, désolé ou papa mette main là-dedans. Donc, nous allons inviter au détail, pas oublier ou soutenir la caille. Si vous nouveau sur le canal, vous pouvez vous abonner avec nous. Nous allons vite faire ça rapide vite pendant ou bien après même ou fin garder vidéo ça pour pas jamais rater information à poster et comme ça tout va aider nous avancer puis là aider nous élargir communauté nous hein comme ça n'a toujours et bien là pour nous répondre présent chaque les informations retourner je nous dis là mesdames et messieurs et bien je ne vous dis là Haïti avec Saint-Domingue pral et bien commencer un gros conflit là pour rivière Massacre qui Saint-Domingue foué mer là-dedans et qui interdit pour Haïti manel et nous connaît histoire rivière Massacre là très bien que je dis à la Saint-Domingue voulait récupérer voulait prendre et bien mesdames et messieurs bagaille pas vraiment douce pour Saint-Domingue si c'est comme ça et donc dossier arrêté qui donc bagaille pas gain gros foué mer là nous pas l'inviter au détail restez connecté n'a tourner pour une prochaine vidéo. Il passe dans l'émission matin débat. Est-ce que le ministre a souhaité rencontrer d'Haïti? Bon, l'invité vraiment. En tout cas, vraiment. Non, nous avons organisé rencontre. Alors, faut que je dise que, monsieur Sever, l'invitation que nous avons lancée pour te parler avec nous matin, c'est depuis hier. Okay? Ok? Alors, c'est pas un mari qui était planifié. Et que un éditorial qui t'a pas le fait, et puis ensuite pour intervenir. Ok? Parce que non, juste côté classification, parce que le film côté matin débat, et un film toujours a induit Haïtien en erreur avec des discours erronés, des discours qui ne parlent pas de son rien. Moi, côté classification, surtout, je m'a parlé à auditeur. C'est pas, je ne vais pas répondre à l'église, je ne pas comprendre rien, je ne vais pas répondre à monde qui ne pas comprendre rien. Très bien. Ok, je dis sur le plan agricole, qui est qui priorité okay. Qui est priorité gouvernement, je dis là? Et donc, sous priorité, nous-mêmes, au niveau du gouvernement, on agit sur le facteur de production. Par exemple, à l'agriculture, on a un niveau tel, si on agit sur le facteur de production, on a un temps X pour nous résultat, nous ne pouvons pas. Ma bonne exemple, ou après, nous livrer en pile et engin alcool. Je parle d'engin alcool, je parle d'engin pour curer. Soit le valet à Tibouni pour avoir un poids, faire l'amphibie, et si vous allez côté salé pour Dieu, après un fel qui coulait, ça fait plus que 15 ans. Et je ne vous dis pas, ou après un poids, fel qui a marché, ça peut être dans n'importe côté, dans n'importe là où. Pour drainer valet à. Et faut nous, valet à Tibouni, chaque année, c'est qu'on coûte l'État, il y a 10 millions de dollars pour drainer, dollars. Pour appel amphibie, ça coûte l'État, il y a chaque coûte l'État, c'est 750 000 dollars. 750 000 dollars. Écoutez, l'État, c'est 750 000 dollars, et Pellio ne pas vivre une année. Il a fait 30 ans sur 27. Il a fait plus tout. C'est un peu mécanique. Ça veut dire que c'est déjà une grosse avancée au point de vue l'État. Ben, moi, comme tout, je parle de son nom pour entrer, c'est ça, Patrice. Très bien. Je dis ça, le gouvernement peut partir à la paix et à travers un secteur agricole. Il y a un problème, ministre, où qu'on est, en tant que moi, avant, en tant que citoyen haïtien. Que nous constatons tout dans l'État. Que des fois, l'État fait une acquisition matérielle, ça y est, il y a un campé pour un boulon, il y a un campé pour un caoutchouc. Et c'est pas le cas, donc au niveau du ministère de l'Agriculture, ou pas des équipements qu'on acheté que je t'ai campé pour un boulon. Et bon, une loi suivre au niveau du ministère de l'Agriculture, presque tout équipement, gagne une loi de finance à l'IA, une machine automobile, le gagne 8 ans de service, soit mettre de côté. Une fois machine, nous gagne 8 ans. Et nous allons vendre pour faire notre acquisition d'équipement. Mais au niveau équipement lourd, ça a arrivé dans le temps, le ministère a été gagné près de 55 et bulldozers. L'autre côté, on a sûrement beaucoup d'autres qui ont dépendu parce qu'on a un pont dans le pays. Chaque côté, on a traversé, on a un bulldozer, on a fait un ministère de l'équipement. Mais sous un certain gouvernement passé, il a pris une décision de faire un national d'équipement. Il a retiré tout l'équipement dans le même ministère de l'agriculture,
pour regrouper sur un label CNE qui est le Centre National d'Équipement. À ce moment-là, l'équipement partait dans mes nous, ça voulait des petits matériels de machines. C'est sous président et président de son excellence, M. Jovenel Moïse, qui a commencé à faire des packs d'équipement au niveau et département. Et c'est qu'on y a, ministère de la Culture, où on a commencé à reprendre par équipement. Ça veut dire que c'est des équipements neufs. Nous, là, très difficile pour nous, nous voulons faire le marché par des équipements pratiquement neufs. C'est à dire qu'on a parlé de trois appels amphibies, mais appels normal, nous prenons pas appels là. Ça veut dire que les chenillons, c'est les amphibiens, nous montons appels là sous l'île et c'est monté uniquement par des techniciens haïtiens. Et forme de moins, nous jouons les montées comme ministres, nous jouons et caractère la chenillon là. Là, il y a un cyclone, dernier cyclone qui était gagné. Le président Bam, instruction pour monter Pélio dans une semaine. Et nous-mêmes, nous devons faire dans deux semaines. Et Pélio a travaillé à Thibaudine, Caborita, et bien actuellement, qui est au Ducap, après inondation, nous avons appelé au Ducap, et comme nous faisons ça, malgré le fait même, il fait 6 mètres 30 de l'âge. Ok. Dans la ville, au Ducap, actuellement, il a brûlé au Ducap. Ça, il va gagner. Soit dans la vallée à Thibaudine, ou bien dans le tracteur agricole, nous faisons un calcul. Il part assez vrai, nous fait nous besoin 400 en tracteur et motocicleur pour nous faire dans un mois. Parce qu'il y a un but du fait. Il faut gagner des packs, il faut gagner des outils dans un mois. On parle là pour tout est là pour tout est planté. Okay. Malheureusement, on a été jusqu'à présent pas ça. C'est ça que fait. Moi, toujours, si on ne peut pas parler, on ne tient pas comprendre. C'est que l'agriculture en général, c'est un secteur privé qui fait. C'est pas l'État qui fait. L'État va aux directions, l'État va aux outils pour faire. Eh bien, ministre Vert, vu qu'on a parlé de l'Antibonite, et moi constate, moi-même, les nègres la Thibonite constate. Et tout le monde est capable de faire même constat. Lorsque vous montez la Thibonite, depuis que vous quittez en Bambon Saint-Marc, vous finissez de traverser et Ponsondé, sous bord gauche là, tout est ça, sèche net, ministre. Est-ce que vous avez un problème au niveau de la Thibonite? Maintenant qu'on y a, ça vient. Allez-y. Il y a un problème et. Les gains des actions à des groupes armés qui ont fait au niveau ça vient. Ok. Ils étaient barrés de l'eau pour dire pas descendre. Et ça crivé, il y a une infiltration qui fait souterraine. Et infiltration souterraine, ça, il faut aller près de 200 mètres canal. Ok. Et moi, personnellement, comme ministre, j'ai obligé de monter ça vient. Malgré les gens qui démontrent le grand pays, j'ai monté ça vient. Et nous commençons à porter corruption. Dans 200 mètres canal ça, et pour nous ranger, nous préférons de 100 mètres déjà, et en termes de comme nous, qui ont fait le canal a été spawn, les droits fait extrêmement la coulée, pour que le fleuve là, les droits couler en bas, et arriver le côté aller sur 200 mètres, là, tomber dans le fleuve là. Mais l'idée, c'est qu'on dit près de 10 mètres de profondeur, imagine 10 mètres de profondeur, près de 30 mètres de large. C'est une catastrophe. Nous, pour nous ranger rapide, il y a d'autres monde qui est proposé pour définir des déviations et sur près de 3 km qu'on a osé ranger, pour être d'appliquer derrière près de 3-4 000 hectares. Et moi, au niveau du ministère de l'Agriculture, comme ministre, mais comme technicien, tout parce que moi, c'est toujours étudié, c'est l'irrigation étudiée. Là, il y a 3 choix, on va voter pour choix ça. Et parce que nous n'avons pas qu'à faire même dans le quartier. Quoi. Chaque monde qui fait une promotion, qui est quartier, qui est l'autre quartier, qui est quartier abandonné. Et pour nous brancher, pour ça, nous commençons à nous faire 100 mètres déjà. Et nous faire rembler sur 100 mètres déjà, nous mettons tout au niveau canal là. Et nous continuons à faire rembler là, et puis nous faisons un canal en maçonnerie. Et nous prenons une vitesse sur lui pour nous finir et les arbres et l'eau retourner dans le canal là. Et ça fait parallèlement. Nous, sur le canal Bidon, et négatif, vous dites, comme ça, sur le canal Bidon, nous faisons une déviation de l'eau pour nous garder, pour nous ne pas perdre toute propre superficie pour le côté là. Mais nous voulons faire un assainissement tout à mon zone, et pour nous nettoyer le canal, parce qu'en réalité, il y a un gain de l'irrigation et l'efficience pour augmenter l'efficience d'irrigation. Et actuellement, nous finissons les quinzaines, nous passons la fin des quinzaines, à Mounio, pour nous garder, c'est le cas, non seulement nettoyer le canal, pour le cabaret, parce que le canal passe, il faut permettre en bas de l'eau. Très bien. Donc, très bientôt, le problème ça va résoudre. Très bientôt, le problème ça va résoudre. Et semaine ça, nous allons commencer à accélérer. Hier, c'est le premier pays là.
le pays est passé très bien. Et nous avons continué le travail et Valais a continué de l'eau par comme de tout. Je n'ai pas un plan aquatique, contrairement, bien que l'habitude de l'eau, je n'ai pas un plan qui est allé foudre. Et les gens n'ont pas gardé pour gérer la quantité de l'eau. Par contre, et quand ça les foudre, c'est un côté de la radio où ça les foudre. Parce que toute l'eau, là, va aller à c'est là aller. Et les remontées, ils font tellement qu'un jour, ils ont lèche. Lèche, ils ne font pas qu'à travailler. Lèche, ils ne font pas qu'à travailler. Actuellement, il y a 4000 hectares au moins qui commencent à mettre en valeur à cause de ça les foudre, à cause de trois fermes mécaniques pour que l'État ait une 750 000 à chaque. Qui va gagner parallèlement, autrefois, c'était 10 millions de dollars chaque année. Le bagage à la main et malheureusement, beaucoup de gens ont dit que les contacts brûlent, c'est des copes qui ont été en place. Et c'est ça qui fait aux jeunes des attaques qu'on y a parce que les gens qui ont des copes pas bien dans le chou, ils n'ont pas attaqué de toute façon. Eh bien, monsieur le ministre, 4,5 millions de monde dans la situation d'insécurité alimentaire. Le DIA et le gouvernement qui l'a, est-ce que nous avons dit que l'année a quand même un résultat? Pour moins de réduire la quantité de gens qui sont en situation de sécurité alimentaire. On regarde les facteurs. Mais on dit que dans l'insécurité alimentaire, est-ce qu'il n'y a pas de manger? Est-ce qu'il n'y a pas de moyens pour l'acheter manger? Parce que l'on doit manger les pays, l'on doit gagner à manger. Et je vais vite au loco et faire un petit tour le marché pour à l'extérieur, à Caillou, à le consommer. Parce qu'on y a un petit frère qui fait au divorce, si vous n'êtes pas un bagage. À la marché du pif, à la Chantal, à la marché et photo, à la marché de la Caillou, ou après qui quantité manger gagner, et pour après gagner problème de liquidité. Et moi, je préfère parler de gagner une distribution de manger parfait maintenant. Dans le grand pays, vous ça fait. Par le marché de Saïou, c'est la marché pour aller, quel que soit le la marché, on va venir manger. Mais en Haïti, c'est le marché pour aller, marché. Tout le monde va accéder à la marché. Il y a même des gens qui connaissent le marché de la marché. Et ça veut dire, nous, comme journalistes, comme un bon réseau journaliste dans tout le pays, d'amener de faire un petit micro-foutoir, c'est-à-dire qu'on a un micro-marché, et puis après, on a parlé plus de 4000 dollars, comme de l'Ouko. Ou t'as quoi que je suis sans manipuler? Parce que moi, je fais pas ça, tout va se manipuler. L'Ouko, pas que je suis à manipuler, mais comme tu as une méthode là, et parce que c'est assez jeune à être. On prend, c'est plus bas que tu as la nouvelle femme, vraiment, on prend. Ça a le COVID-19 là. Avion Alcenomène, il y a vrai? Oui. Avion Alcenomène, mais avion Avion Haïti. Ok. Parce que, je dis, il y a pas COVID. Très bien. Est-ce que nous même? Ça veut dire, Babdi manipule, non? C'est un constat, côté, il y a applicant au fil à mesure de ces deux domaines. Très bien. Mais, il y a qu'à bailler n'importe qui, il y a qu'à dire, comme si un prend, même là où tu as pris un bandit, en termes de crimes qui fait par jour, tout le pays est cru. Mais depuis où on a Haïti, il faut me voir, il faut tout le monde comme si c'était d'Haïti. Mais tout l'autre côté, il y a un crime, ça passe. Eh bien, ok. Et M. Patrice Sever, et on parlait la semaine ça dans la presse dominicaine sur la question Rivière Massacre. Qui projet que nous-mêmes nous gagnons là-bas, Haïti gagne là-bas? Nous initiés qui t'a supposé fini. Nous supposons nous gagnons une prise que nous avons sur Rivière Massacre là. Ok. Pour le monde qui a tout là, il faut préciser qu'il y a pays d'Haïti qui gagne deux Rivières Massacre et une qui n'a Sud-Est, mais c'est pas Rivière Massacre que ça va parler. Pour le monde Sud-Est qui a foutu le nord, pour que vous compreniez, c'est Rivière Massacre Sud-Est. C'est Rivière Massacre qui est dans le nord-est. Dans le nord-est, c'est bien. Dans le nord-est qui est sous frontière haïtiano-dominicaine. Mais comme du monde qui a passé dans le nord-est, Rivière Massacre prend naissance en ville, en République d'Haïti, mais qui déroule, il vérifie l'entrée sur le territoire dominicain. Ok. Et puis, Dominicain eux-mêmes prend 11 villes d'oublie. Autrefois, en 1918, il était connu mettre pompe sous lui. Là, ça, c'était conseil de Jean-Baptiste qui était l'autre bois. Et il était 9 pompes. En 1918, 9 pompes sous lui. À partir de pompes, il y a eu un bon pour lui. Il y a eu une fête prise sous lui. Et il y a eu 11 prises, il y a eu un souvenir massacre pour avoir été la caille. Là, Dominicain. Dominicain. Ok. Mais en Haïti, nous avons eu 0 prise. Et puis, les prises ont fait sous lui. Et la carte était de faire. D'amitié, vous prenez pour nous doucement, ministre, parce que vous pouvez y être capable de connaître. Parce que vous avez une agitation là au niveau de la presse dominicaine, soit fait Rivière Massacre. Elle dit que Dominicain en 98, ok? Il y a 9 pompes. Il y a 9 pompes. Il y a pompé de l'eau. Il y a pompé de l'eau. Il y a pompé de l'eau. Sous Rivière Massacre là. Où il y a osé terre, où il y a fait jardin. Très bien. Plus, il y a 11 prises. Il y a 11 prises.
sous rivière massacre là. OK. Que il y a utilisé pour faire jardin pour au sérieux. Combien Haïti gagne lui-même? Nous Haïti gagne 0 jusqu'à présent. Nous gagne 0 jusqu'à présent. 0 c'est premier crise n'a fait sous rivière massacre là pour arroser pas par ribao. Et ça fait vous bien là dans moment. Voilà, et m'a dit dans la quatrième de paix d'amitié perpétuelle et d'arbitrage, ici à Saint-Domingue le 20 février 1929, sous président respectif Louis Borloo et Horacio Vargas, Dominicain était supposé, avant que le président, pour aller avec nous. Ok. Pour changer avec nous, pour nous faire tout habiter pour ça. Vous faites, et vous pouvez être vous faites. Donc, vous faites 11 prises sans que vous ne parlez avec Haïtien. Je ne parle pas la païtienne. Quand nous allons faire une tête au chaud. Tête au chaud, vous prenez bagay. Mais fond d'où vous connaissez même bien avec nous, Dominicani, ou bien Haïtien, et ta tête au manger Dominicani depuis bas parce que n'est pas bon. Eh bien. Et puis, il a préféré critiquer le ministre agriculture, il a critiqué tête chaud, il a perdu l'anglais, et puis vous comprenez, c'est l'autre qui a critiqué, que c'est tête chaud à critiquer. Ok. Tout bas à vie, ça. Il va supposé faire. Tout bien, je dis à. C'est supposé qu'une réunion entre les deux parties, la République dominicaine et la République d'Haïti, okay. Reporter, nous allons discuter avec eux pour nous continuer cette prise-là. D'ici, j'en fais pas l'abouti. Et pas l'abouti à, si on parle au tempéré, nous allons faire rivière massacre à Paris-Longue. La visite de Trivière, nous allons faire le sol de Souli, après le sol de Souli. Okay. Et puis, nous allons faire le partage équilibre des eaux. Très bien. Très bien. Nous allons faire le et ça fait la parle de c'est ça fait que l'intervention matin ça était vraiment important. OK, il était vraiment important l'intervention okay. Matin l'émission matin débat. Oui. Ça veut dire et à quoi on peut aller à j'ai révisé en fait, le 27 février 1935. OK, entre président Vincent et président Raphaël Leonidas. Très bien. Pour là. Ça veut dire que tout bail et qui fait déjà et une autre révision fait encore pour au prince le 9 mars 1936. Ça veut dire que le texte en dit et à quoi là, texte là, et nous avons discuté avec vous, et nous avons garanti, nous autres, nous avons dit, ministère de l'agriculture qui représente le groupe haïtien en ce qui a fait à l'agriculture, l'irrigation, nous avons pris le marché tout le frontière avec vous, pour nous garder ça au gain sans gain. Très bien. Et puis, mais ça, nous prenons le balai 50-50. Ouais, c'est 50-50. Non, selon à quoi? Selon à quoi? Donc ça veut dire que si c'est 50-50, là, nous avons 9 pompes tout, 11 prises tout. Dans 11 prises, 9 pompes tout, mais quand on a même 9 pompes, 11 prises, on a gardé les capacités pompes, on a gardé les quantités de l'eau. Correct. Dès que nous avons gardé les quantités quantité de l'eau, il y a un moyen pour nous faire des dix et puis nous avons des dix partout. Eh bien, maintenant. Et aussi, c'est présent. Maintenant, ministre Sever, projet haïtien, ça l'a porté pour Haïti. Ça l'a fait, donc, il et comme nous, on dit quoi, Américain, on a pensé, avant de rentrer dans ça, avant nous, mais il y a des accords déjà, en 1935, et l'entrée à ces nord sous la Tibonite. Il y a des accords déjà. Et c'est pas qu'on n'a pas des accords, et qui là, avant même une présentation d'invité, des accords ça. Parce que il y a toujours, comme je suis dominicain, il faut changer deux tiers de territoire, il là, c'est Dominicani. Et vous pouvez partir pleinement, vous pouvez partir bonnement. Et vous toujours, il y a folie pour vous manger. Mais, même folie pour vous manger, travaillez la caillou. C'est haïtien, oui, c'est nous qu'on travaille. Oui, c'est haïtien, oui. Et tout le problème, non, c'est parce que les gouvernements prennent une décision, nous prenons la volonté, nous prenons route pour avancer. Ça ne veut dire pas premier désaccord, fait. Ou M. Doutaléa, premier désaccord, c'est qu'en 1965. Et tout, sous bail, fait la Tibonite, et les 100 Nations Unies, là. Mais quand il y a là, attention, tu as dit que là, nous-mêmes, clé avant, pas nous-mêmes, on a fait tout, on a fait parcours, on a fait tout, c'est assez rivière avec eux. Moi, pendant ma parole, on a parlé avec les quatre là devant. OK. Et puis, on va regarder tout ça au gain, tout bon, nous clair. Après, tu as gagné, nous-mêmes, on va réclamer ça. Et les demander, bon, ça va, on va aller, on va aller, on va aller, après elle. Par contre, tu vas le boucher, yo. Très bien. Moi, et au lieu que Aïcha a parlé, moi, je m'a demandé solidarité haïtienne depuis souvent les pays à dans des discussions à d'autres pays pour nous connaître nous parler de pays d'échange. C'est haïtien, non? L'année pose des responsabilités pour ça, pas seulement faire du privilège. Il fait deux problèmes tout et l'année pour assumer. Pour assumer. Et
au niveau du ministère de l'Agriculture, et moi, Patrick Sévère, comme ministère de l'Agriculture, nous prêts pour avancer l'agriculture là pour nous bagailler. Mais nous ne pouvons pas prendre le petit poule, tout petit, pour que nous parler avant. Et ou même le coup des yeux, journaliste, jeune social, qui est dans le secteur agricole là, qui t'a intéressé à le secteur agricole, et puis il t'a bon, nous, incitatif, pour t'a faire agriculture, bien, nous critiquons, oui, parce que nous n'avons pas compris le secteur privé pour développer l'agriculture. Et tout le secteur privé pour développer l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est un bail qui a absorbé comme c'est un bail qui a absorbé, c'est un bail qui a absorbé, c'est un bail. Mais on a préféré dire, oh, ça fait, ça c'est ça. Mais comme à bain mon avantage, on a les mêmes mots. Ou pas qu'on ait des bagailles et décrets qui sortent sur une branche avant de dire non. Ils ont investi sous tel, je dis, l'État pas l'avantage. L'État pas l'avantage plein. Finalement, ça pour le monde fait. Et pendant ce temps, on a là, il y a des avantages qui sont là, mais au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons une cellule, une unité qui est épuisée, qui est là pour accompagner les gens qui investissent dans ce secteur-là. Ma préférée que tout le monde dans le secteur, la classe moyenne, si vous voulez investir dans le secteur agricole là, venez dans le ministère de l'Agriculture, il y a des gens qui sont là pour accompagner. Au lieu que vous faites ça, vous préférez, si c'est le monde, il y a des gens qui sont malheureux. Moi, je ne sais pas si c'est le monde qui est malheureux, non. Je connais, maintenant, à travers avec des gens qui ont investi dans le secteur agricole là, des agriculteurs, des agriculteurs et des gens qui ont pris des risques. D'abord, je connais moi, pour me performer comme ministre de l'Agriculture, il faut que des gens qui prennent des risques dans le secteur agricole là, qui viennent investir pour payer, exporter ou pour tu manger pour mon tagène pour créer emploi. C'est le secteur agricole là, malgré les gens qui ont créé plus d'emploi. Malgré les gens qui ont créé plus d'emploi. Oui, malgré les gens qui ont plus d'emploi. Malgré ça, si les gens veulent investir dans le secteur agricole là, mon cadeau, vous pouvez par la saison en Haïti, avec 6 sous pompe solaire qu'on a utilisé, solaire ou jardin, c'était Aïbobo. C'était Aïe Bobo. Ou après, 20% pays des pays, c'est l'agriculture. Eh bien. Mais, je ne comprends pas. Non, c'est clair. Et Loupo, comme négatif, vous dites, allez plein de Atibonite. Nous installons 14 fonds dans plein Atibonite. Nous allons installer 14, Gonaïve. Nous allons installer 14 sur une cabine encore. Regardez pour quantité de légumes d'Atibonite. Moi déjà fait comme ça. Voilà. Gapil manger dans la Gonaïve. Les légumes ne pas marcher. Moi-même, les Haïtiens séparés de la taille. Ils ont séparé les ministères sectoriels qui l'ont pour travail, qui l'ont pour faire promotion pour le pays et les politiques. Pas pour le dire qu'on a dit ça, même pas qu'il est visible pour décider, ou on dit le contraire. Parce que de toute façon, demain, c'est où qu'il y a un pouvoir, alors qu'il y a un pouvoir, on fait face à ça. Et quand c'est où qu'il y a injecté dans le commun. Eh bien. Merci en pile, donc, ministre Patrick Sévère. Merci en pile. Merci beaucoup. Merci en pile. Qui est la bonne affaire. Merci en pile. Bon, ok. Alors, l'information, madame, monsieur, alors, ouais, que nous allons même arriver sur question Marion avec le ministre Patrick Sévère. Mais l'information, et c'est l'une de la chercher qu'on est. Nous sommes ici en émission de la télévision que militaires dominicains débarquaient dans la zone Wanamet, dans la section communale, côté que l'État haïtien commence son projet sous rivière massacre. Militaires dominicains débarquaient. Bat toutes ouvriers qui étaient là, net tout de suite là, bien matin à tout. C'est pas un groupe moun nan zone là qui décide de faire un projet, non? Non, l'État haïtien. L'État haïtien. Et après semaine, ça va obtenir nos contrôles sous garde toute la presse dominicaine. Et que Haïti par un droit faire projet sous rivière massacre. Pour qui est-ce rivière? Là, pour nous délire. Alors, rivière pour nous deux, parce que le contrat était là du 27 février. 1929 sous président Bono, côté que problème de l'eau ça a posé sous rivière massacre là en Haïti et la République dominicaine. Madame, monsieur, tenez bien. Que ce soit Haïti, que ce soit Dominicain, qui a un projet, si c'est Dominicain qui a un projet sous rivière massacre là, faut que l'Ichita parle avec l'autorité haïtienne pour l'autorité haïtienne pour connaissance de projet pour entendre sous de l'eau. Si c'est le gouvernement haïtien qui a un projet sous rivière massacre, il faut que le gouvernement haïtien achète à parler avec le gouvernement dominicain, informé, puis on connaît comment il a géré de l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dominicain a gagné 9 pompes sous rivière massacre. Nous seulement gagné pompes. Et puis,
gouvernement haïtien pas au courant, il pas très le gouvernement haïtien, quel que soit son président ce que le pour demander que nous met ça au pas faire sous rivière massacre. Yo débarqué manou militari, yo fait 9 pompes. OK? Sous rivière massacre là, ça c'est yon. Dominique gagné 11 prises. 11 prises sous rivière massacre. Alors prise là c'est l'eau passer avec pompe ou ouvert canal. Ouvert canal là. Doit entrer. Dominique gagné 11 prises sous rivière massacre. Il va même demander l'état haïtien. Il va même consulter l'état haïtien. L'eau t'a fait prison. Et puis madame monsieur, comment Haïti gagne? Nous gagne 0. Nous gagne 0 pompe, nous gagne 0 prise. C'est première prise que l'état haïtien prend le fait sous rivière massacre là. Dominique est là moi. Rapport de force. Rapport de force. Est-ce que vous comprenez? Dominique est là moi. Pendant que vous avez même gagné 9 pompes, vous avez 11 prises, nous même nous gagnons 0. Ouais. C'est première prise que l'état haïtien prend le fait sous rivière massacre. Baba nous menti, tolé dans la presse dominicaine, Dominique est là moi. Gros ami là qui m'a dit, alors, gros monde qui écrit, dit, est-ce que le pays a gagné l'état? Mais pas depuis toujours, mon frère. À partir de constant, parce que bon, c'est pas un groupe citoyen dans la zone qui dit, mais le bras font l'état haïtien. C'est l'état haïtien. Mais bon, comment pour Dominique dit, alors que Rivière, nous avons le droit d'exploitation sur lui, c'est nous tous les deux de pays. Gon accord qui go traité qui si entre deux pays qui dit comment pour nous gérer l'eau comment pour nous gérer l'eau. Eh bien, on pas comprendre ça. Yo monté yo gen 9 pompes sous l'eau. Yo gen 9 pompes sous rivière massacre sans que gouvernement sans autorisation sans que gouvernement sait pas connait. Or dans traité elle dit que quel que soit gouvernement yo doit informer l'autre sous projet que et puis 50-50. OK? Et puis yo gen 11 brises. L'état ici gagne 0, nous même nous gagne 0. Nous gagne 0 pompe, nous gagne 0 prise. Ça ministre dit le faire. Donc c'est première prise. Non. Yo t'a droit en côté je dis à gouvernement haïtien, gouvernement dominicain sous question. Maintenant lui reporter qu'il y a le gouvernement haïtien pour aller faire visite des lieux pour regarder qui ça dominicain gagne sous rivière. Et puis il va le gouvernement haïtien va dire que c'est 50-50 lié. Qui va rappeler rappeler ça. OK, puis problème non pratiquement pas posé. Qui ça passé? Là ouais yo gen pompi avec prison. On peut agriculture la caillou à Machanville. Eh non bien sûr. Et puis qui mon gars travaille la caillou haïtien. Non mais ministre elle comme c'est pas. Et puis on fait manger pour une vente haïtien. Non mais m'pa t'attendre trop et m'pa t'apporter bon son m'pa trop attendre et son ministre. Non mais t'as semblé comme si le ministre dit gagner manger dans pays mais pas nous pas gagner pouvoir d'achat. Oui c'est ça c'est ça. Il dit que gagner manger mais pas pouvoir. Quand manger ça a sorti, il mange pas nourrir. Non gagner alors. Et là c'est Dominique Goyer. Oui, il y a un pile là-dedans. Qui ça nous produit? Qui ça nous fait? Mais marché, il y a un pile manger local. Donc, il faut faire vivre pour regarder. Il y a un pile produit étranger, vraiment. Ok, tu as un ponçon de. Il y a un citron. Il y a un manger local. Il y a un citron. Il y a un cocoyer. Qui ça encore? Il y a un paquet. On a consommé là, c'est Saint-Domingue qui sorti, vous me dites. Oui, c'est vrai. Il y a melon tout. Mais c'est melon, si c'est moins capable. C'est pas carotte. Il n'y a pas toute quantité ça, pour nous tout payer. Il y a un pire. Bon, je ne dis pas tout. Monsieur, le capital là, en particulier, c'est produit de la République dominicaine que nous consommons. En tout cas, c'est. Alors, moi-même, dis-moi, ça va généraliser. Je ne veux pas l'ode. Mais nous, qui ça nous fait? Non, nous avons petit manger. Quelque côté. Moi, je ne vais pas mentir. Moi, je fais tout le pays. Je vais garder manger comme gaspiller. Manger pour nous manger. Manger toujours. Moi, je vais manger toujours gaspiller. Non, manger. Ils sont manger toujours gaspiller. Parce que les marchés au fini. C'est les marchés au fini pour ça. Oui. Pas de moyen pour venir acheter. En tout cas, si ça gagne, pas de l'argent pour venir acheter. Et puis, pas de tout. Et là encore. Ouais, voilà. Pas de tout. Non, insécurité. Insécurité même. Oui. Mais si ça gagne, il n'est pas qu'à rentrer. Il n'est pas capable. Le pays qui est. Bon, monsieur, nous avons mangé du chaque jour. Qui dit une manger? Nous qui me dit la tibonite. Il 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 dit la tibonite